My God. Ça, guys, c'est la nouvelle. C'est débile. Je suis en train de monter puis j'ai vu ça de loin. Hey! What? Je sais de même, il va y avoir des blessés ici. Hey, ça se roule-tu, ça? Il semble avoir deux lignes. Il y en a une ici. Vrop! Vrop! Vrop, je suis sur mon vélo présentement, hein? Ben oui. Et puis... toc, toc en face. Ou tu vérifies. Hey, c'est colon! Fait que la ligne... ouais, il y en a une ici. C'est ultra épique. Il y en a une prop-rock, prop-rock. Ça, c'est la ligne numéro 1. Ah! Ligne numéro 2, on la voit bien ici. Mademoiselle Slab. Je pensais que j'étais bon en bike sans joke, j'étais une merde. Hein? Là, ça paraît pas. Ça descend. Pas si mal. Pas si mal. Pas si mal. Juste là, là. Ça drop. Compression. Puis ça drop après. Sans doute, je vais avoir des blessés ici, là. Ça, c'est sûr, c'est une double noire. Je dirais qu'avec le temps, regardez, il va y avoir une ligne brop, brop, juste ici. Mais il y a encore quelques sapins dans les jambes. Ça nous amène à un drop qu'on voit là-bas. Ou là-bas, une descente, comme dirait Dr. Terreur, qu'il faut lever puis ça compresse. Oh my God! C'est de loin le nouveau challenge technique de... il n'y avait rien de technique comme ça ici avant. On a une descente ici. Ça, je vais le faire. Ça, c'est pas le gros shit. Fait que, hop, un petit conseil. Il y a ceux qui viennent essayer la nouvelle. Venez avec des amis. Puis venez bien équipés. C'est du gros shit. C'est pas des blagues. Allez voir là. La slab. Vue d'en bas. Regardez. Ça, ça, ça. Si on le monte un petit peu, il n'y a pas de vélo, faites-vous en pas. On voit qu'il s'est. Il s'est, on descend. Poc, compression. On va se tasser avec les femmes qui arrivent. Fait conseil, venez faire une petite reconnaissance avant de vous envoyer blind dans la. Ça peut être vraiment un cas de blessure. Sinon, la. Descente qui se roule. Vous montrer l'inclinaison encore une fois. On va tenter d'annuler l'effet GoPro. Donc là, je vais tenir mon casque bien droit. Bien, bien droit. Là, mon casque est droit. Ça, c'est l'angle d'inclinaison. C'est genre 80 degrés. Donc, soit on drop. Jup! Et on land quelque part ici. Ou. Roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Ça ici, ça ici. Et regardez, ça, faut pas toucher à ça parce que. Fuck! Fuck! Puis, fuck, par là-bas, plus de vélo. Bon, et voilà. Et regardez, je ne mets même pas sur mon bike puis je me plante. C'est que c'est pas drôle. Mais un petit drop ici, regardez. Oup. Ça se fait bien. On a ici une autre. Une autre ligne qui n'est pas encore ouverte dans le secteur de... je vais vous la montrer. Prenez en ligne de compte que c'est fermé. Et que ça sera peut-être pas ouvert. Un peu plus haut. Tabarnak! Pardon, j'ai sacré.
Aïe aïe! Savez-vous, j'ai l'impression que ça se fait mieux. Regardez. C'est à pic comme ça. Wow! Donc, je viens de jaser avec un cycliste que j'ai monté avec. Parce qu'il avait jasé avec une fille qui travaille dans mes sentiers, je crois. Et je pense qu'ils vont pas ouvrir ces trails-là. Parce que c'est assez dangereux. Si on cote ça comment, des trails comme ça, vous pensez? Double noir? Ou on ose mettre ça, triangle rouge? Le fameux triangle rouge qui est en gros un triple noir. Qui est considéré pro-line, si vous voulez. On n'en a pas beaucoup au Québec. On voit plus ça dans l'Ouest en général. Ça fait que ce serait la fin de la piste X, qui n'a pas encore de nom. On verra si elle ouvre à un certain point. Si c'est le cas, je vais venir avec mon body armor de DH puis je viendrai vous filmer ça. Bonne journée, guys!